Farming Simulator 25. On sera très certainement sur YouTube, les gars, quand même. Cette vidéo sortira sur YouTube. Sur YouTube, pensez à laisser salut un petit YouTube. Peu des. Ouais, salut YouTube. Quand vous allez YouTube. Lâche un petit commentaire. À 882 likes, on fait un épisode 2 découverte de Farming Simulator 25 en avant-première. Je pense que ça va être une game un peu découverte, mais en vrai, vu que c'est un jeu assez long, on peut partir sur celle-là et continuer en vrai. On n'a pas nécessité à recommencer. Donc, si vous aimez, pensez à laisser des commentaires, des pouces bleus et à vous abonner. Parce que je sais pas si vous le savez, mais 82% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés. Alors activez la cloche. 83. Oui. C'est bon, on peut jouer normal maintenant. Alors. Activez la cloche. Riverbend Springs. Donc une map. Américaine un peu. Américaine, t'entends. Mississippi, ma gueule. Yutan Pantai. Je l'ai bien prononcé, je pense. Map asiatique. Et Zielonka. C'est pas du tout. Alors là, je te fais un tir là. Oh là là. Incroyable. Franchement, il y a moyen de taper un foot quand même. Non, franchement, ok. C'est pas vraiment un easter egg, mais on va dire que c'est un petit truc marrant. Je trouve ça bien que Farming ait pris le temps de faire ça. Je vous rappelle que nous, on a accès à un jeu en version pré-release. Donc, si ça se trouve, c'est pas la version finale du jeu. Hein. C'est possible qu'il y ait des équilibrages, des choses. C'est aussi à ça qu'on sert, à signaler des bugs. À chaque fois que j'ai des jeux comme ça en avant-première, je passe longtemps à review et à envoyer aux devs. Comment je fais pour refaire mon perso, les gars? Parce que j'ai pas pu là. Mais j'ai créé la ferme, les gars, vous pouvez la rejoindre. Mais wesh, mais qu'est-ce que tu fais, Flaco? Quoi? Mais pourquoi tu t'es mis asiatique? Bah parce qu'on est en Asie. C'est raciste, mais c'est raciste. Bah non. Genre sous prétexte qu'on est en Asie, t'es obligé d'être asiatique? Bah non, mais je suis local. D'ailleurs tu m'appelles plus Flaco, tu m'appelles Mao. Ok Mao. Non, je vais pas faire d'accent. Ouais, allez crée. tu peux, c'est autorisé ce qu'il a fait sur YouTube. Ah oui. J'arrête. Bah moi c'est comme ça que je me... Il a fait que oui, hein, il a arrêté direct. Oui. Les gars, Squeezie, on a rien, on a Wallou. Wesh, Wallou c'est pas Wallou, c'est pas asiatique Wallou, hein. Il a fait un accent. Il a dit on a rien les gars, on a Wallou. Là. Ok, je mets des petits gants et c'est parti les gars. Eh, hey, beau gosse ou pas les gars? Il est pas RP Rome, t'es mal, on dirait un représentant de chez Milwaukee là. C'est l'européen lui, tu vois. Ouais. Moi je suis quoi, moi? Moi je suis l'investisseur étranger, moi. Mais oh oui, toi tu fais de l'arbin, moi je fais l'investisseur étranger et. Ouais, et Romain. Romain non, il fait. Quoi? Parce que je suis japonais, je suis un larbin? Bah c'est moi qui investis. Oui, c'est mais comme ça. Moi je suis le local. Ouais, le local exploité par l'investisseur étranger. Monsieur, on peut lui parler? Ouais, regarde, démarre la conversation. What's up? On commence tranquille du coup? Regardez comme c'est beau, les gars, regardez comme les environnements sont stylés déjà. On sait déjà à savourer un petit peu ça. Mais qui voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, tu jouais avec tes boules. Quoi? Avec des bouses de vache. Tu te souviens de moi? Je m'appelle Ben. Parlez-moi un peu de vous. Avec des bouses de vache? J'ai besoin d'aide, on parlera une autre fois. Non. T'avais attrapé un rhume et tu voulais jouer dans la boue après un gros orage. La bonne nouvelle, c'est que tu avais le nez bouché. Ça fait maintenant plus de 3 décennies que j'aide ton papy. Walter m'a embauché comme ouvrier il y a 35 ans. Au début, je n'arrivais même pas à négocier un virage avec une charrue sur une surface irrégulière. Non, la honte. C'est lui qui m'a tout appris à l'époque. Très vite, tes grands-parents ne pouvaient plus se passer de mes services. Surtout ta grand-mère. Wow! Sa femme et lui m'ont accueilli dans la famille. Et j'ai rejoint la ferme. Et quand j'étais jeune, je voulais gérer ma propre ferme. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Cela dit, je ne regrette rien. D'une certaine façon, j'ai pris racine ici. En réalité, il parle beaucoup trop. Ok, je vais me débrouiller. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Non, c'est bon. Mao? On commence par quoi? Ouais, non mais c'est bon, tu vas pas m'appeler Flaco. Ok. Le RP m'a saoulé. Ah, je veux une moto. Oui, non, bah, attends, pas dès le début, wesh. Tiens, tu disais, je veux pas me spoil, pas tout faire d'un coup, et il veut déjà acheter une moto. Là, l'objectif, ça va être d'acheter des terrains. Alors, on y va calmement. On a 500 000 balles. Il va falloir acheter un terrain minimum pour pouvoir stocker nos véhicules. On veut dire que pour commencer, on peut les mettre là, tu vois, dans la cour. C'est chez nous, ça, déjà? Ouais, on va dire que c'est chez nous. Mais il faut acheter un champ, pouvoir au moins cultiver une truc, et du coup, avoir le matos pour. Le 27 est bien parce que juste au-dessus, il y a du bois. Donc, ça veut dire qu'on pourra exploiter un peu le bois pour se faire de la thune. C'est bien au début. Donc moi je propose qu'on fasse 27, 25 et on peut acheter les bois pour exploiter le bois. Il va nous falloir un pick-up. On est d'accord. Soit une mule et c'est tout petit, soit on a un petit pick-up. Le petit pick-up récent il vaut 45 000, à l'ancienne il vaut 25 000. Moi je serais pour partir à l'ancienne de base. Comme ça il est bien, hein. Ok, c'est acheté. Ouais vas-y, accroupis-toi. Ça va bien se passer. Vas-y rentre Rome. Ah ouais, vous restez comme ça? Non, ça marche pas. Oh non, déception. Merci. Bah vas-y, achète-toi une moto, Rome. Mais stylé! Eh, mais elle pied à terre et toi? Ouais, franchement, elle est pas mal, hein, la Nive. Eh, il tourne la poignée, toi? Ah ouais? Ouais. Vas-y, cabre.
Ah, il freine et tout, il met les mains sur le frein et tout. Ils ont fait ça propre, c'est bien. Il faut qu'on trouve un lac hein, pour remplir la citerne. Ouais, t'inquiète, tu vas tout droit jusqu'à ce que tu trouves un pont. Bah oui, Oh, le casque, Romain. Oh, t'as tué un homme. Ouais, je... Ah, d'ailleurs, putain, ah stop, hein. Il faut que je vous montre un truc. Ouais, mais fais pas ça. Les IA, ils ont été augmentés. Maintenant, si tu t'arrêtes au milieu de la route, l'IA, ils te doublent. Ah ouais. Ouais, il n'y a plus les bouchons comme avant. Oh, ça a failli être le début et la fin de Rome. Hein. Oh, il a pris l'IA. Bam. Ouais, mais on peut pas... Attends, il y a pas... de l'eau, il y a de l'eau. Ah, on peut pas descendre. Je vais loin, les gars. Pardon, mais ça, c'est mon goal de vie, je vous le savez. Hein. Et là, tu as tombé, tu as pu remonter. Hein. C'est le baron. Ouais, mais Rome. Il a baisé la moto. Ok, non, il m'a fait que sur The Angler, mais j'ai baisé la moto. Putain, Rome, on l'a payé la moto. Attends, mais on peut pas la taper. Bah non, c'est fini. Hein. Et là, il faut que tu essayes de te remplir ici, quoi. Ouais, t'inquiète, on va trouver une mise à l'eau. Attends, mais la ville, elle est zinzin. Franchement, ouais, les environnements, ils sont beaux. Hein. Sgeg for life, hein, comme on dit chez nous. Mais Romain. Je vais voir ce que ça fait. Ouais, ça va bien se passer, les gars. Il y a aucune raison que ça tourne mal, non? Après, vous avez pas choisi le meilleur endroit pour descendre en 4x4, quoi. Oui, mais il y avait pas mieux. Ok, c'est rempli, les gars, on y va. Ah ouais, ça monte. Eh, le 4x4, il a 5 chevaux. Il est robuste, le 4x4. Mais je vous ai dit, les gars, 170 chevaux. Active tous les différentiels. Là, tu prends à droite. Ta moto, putain, tu bloques tout, Romain. Excusez-moi, monsieur. Le gros relou. Eh, tu devrais t'acheter un casque, en vrai. Donc pour ceux qui connaissent vraiment pas, hein, au cas où c'est possible, hein, Farming Simulator, ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est un simulateur de ferme. Donc c'est un simulateur, on peut dire hardcore, hein, oui, hein. De toute façon on fait pas mieux. Hein. C'est le meilleur simulateur de gestion de ferme à la première personne. Ok, donc là il va falloir investir pour mettre des tables de culture, j'imagine, de champignons. Il faut sélectionner soit des pleurotes, soit des enoki, voilà. Et là du coup ça va produire maintenant. Bah c'est des psylos si vous voulez mon avis, mais après voilà, ils peuvent appeler ça des enoki s'ils veulent, mais à mon avis on va avoir flou si on en mange. T'as mixé, il y a les petits paquets comme ça là et ça pousse sur le côté là. Pour ceux qui savent pas, ça c'est un bâtiment simplifié, mais sachez que voilà, pour tous ceux qui demandaient l'élevage et tout, les poules ça ressemble un peu à ça aussi à la base. Je sais pas si ça a été modifié, mais de base ça ressemblait à ça. Ça veut dire que c'est un bâtiment, tu investis, tu achètes des poules, tu donnes du coup l'input, quoi, l'input, la ressource d'entrée, donc soit de l'eau, du grain, etc. Et de manière cyclique, tu vas générer des petites palettes, des petites cagettes d'œufs. Et ben là on va générer des petites cagettes. Attends, je suis en train d'expliquer, Romain. Ouais, vas-y, fini. Là, on va générer des cagettes de champignons. Ces cagettes de champignons, on va pouvoir les conditionner, les mettre sur un véhicule de chargement et on va aller vendre cette récolte. Donc, vous voyez, on va pas cultiver sur le les champignons. Trottoir, là, tu gênes tout le monde. Pardon, ah excusez-moi, monsieur. Viens me non. trouver, Yar. Rome, tu dépasses de la moitié de ton corps. Baisse-toi, au moins. Fais un effort. Je suis accroupi normalement. Ah, y'a pas la synchro de l'accroupi là. Ah merde. Non, c'est pas comme ça qu'on récolte, les gars. Prêt pour la récolte. Merci. C'est pas comme ça. Non, c'est comme ça qu'on récolte. Eh, tu vas le détruire! Mais c'est à nous maintenant! Allez hop, tout le bénéfice. Allez, montez avec moi! Débarque si tu peux monter. Oh, oh génial! Rob, c'est la fin du game. Oh bâtard! Je suis descendu avant. Accélérateur, rate le poignet. Frein. Bon, le pied nique sa mère. Il freine avec un ratio de 100% avant. Ouais. C'est raide, mais c'est cool. Ouais, ok. C'est un peu raide, mais ça va. La plaque d'immatriculation, les gars. Il a une plaque d'immatriculation de camion. J'avoue. Et hier, tu vas au concessionnaire, tu ramènes deux véhicules. Non, mais vas-y. Lequel? Oh putain de merde. Les deux. On peut pas échanger? Gros, ça va être long les deux. Mais moi, je sais quoi que tu m'as acheté. J'active tous les boosts de vitesse. Hein. Ouais, t'inquiète. Moi, je suis bloqué à 12. Boost de vitesse 2. Boost de vitesse 3. C'est parti. Et sachant qu'il va nous falloir une remorque pour mettre tout ça, mais je sais pas dans quoi. Attends, mais c'est quoi cette merde? Les gars, c'est une sauterelle. T'es pas. Super vitesse. Et là, ma moissonneuse là. Je crois qu'on va devoir semer. Vous avez cette image des Asiatiques qui sont accroupis dans les champs de riz et plantent directement des petites tiges. Je pense que c'est ça. Et cette machine que j'ai doit pouvoir porter les tiges, et c'est une planteuse quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc du coup, cette pousse de riz, je pense qu'on l'a produit dans la serre à côté. R, plant de riz,
produit sortant. Mais entrée. C'est sûr, ça va faire comme. Fait activer en bas avec entrée. Ok, donc il n'y a pas besoin d'acheter le semis de riz. En fait, il est directement dans l'eau. On est en Asie, c'est logique. Ok, je sais pas comment ça marche, les gars. Activer la moissonneuse, déplier, baisser la moissonneuse batteuse, activer. Mais c'est galère, elle a une toute petite tête. Il y a les petits joysticks qui bougent, les marques japonaises, et du coup, sur les joysticks, c'est écrit en japonais et tout. Stylé, hein. C'est une licence assez sûre farming parce que les joueurs sont exigeants. Tu leur fais pas un truc à la FIFA où tu leur changes juste les roues du tracteur et les gens sont contents. Il y a des attentes, tu vois, genre. Il y a une exigence. Je vous la fais en vue externe. Ouais. Pourquoi ce travail là? Bah c'est pas mal, non? Bah frérot, t'as oublié des trucs ici, hein, tu repasseras. Ça va, ça va, ça va. Travail d'équipe, les gars. Ah non, non, mais on fait les cons, mais on est des pros. Hein. Il y a le GPS intégré au jeu maintenant. Les tracteurs, on pourra leur mettre un GPS. Nombre de tournières, direction de travail automatique, décalage latéral. Vas-y, laisse-moi travailler à l'ancienne là, et on regardera ça plus tard là. Attends, mais c'est quoi que t'as activé là pour voir les lignes et tout là? C'est le GPS. Ok, donc là tu dois bien garder ta. Et je en montre gros, t'as plus de courage pour qu'il alloque en vert. Et là, t'as juste accéléré. Et ça va aller tout seul, genre. Oh, mais attends, il cercle vachement vite là, non lui? Bah ouais, visiblement, ça recule, ça va vite. C'est pour ça que j'étais surpris, mais en fait, ça marche. Et alors, va jusqu'au virage, voyons s'il le fait tout seul. Ouais, je reste. C'est beau. C'est réel, ça. Il y a des systèmes de guidage automatique qui permettent de... Ouais, c'est ce que tu vois au-dessus de la cabine. Non, par contre, il le fait pas tout seul, là. Mais il tourne pas tout seul? Je pense que tu dois pouvoir le paramétrer, hein. Non. Ouais, enfin, pour tracer tout droit, franchement, je peux le faire moi-même. Le jeu est vraiment un simulateur de ferme, comme je vous ai dit. Et du coup, en fait, dans la réalité, les véhicules de ferme dernière génération, enfin même pas si dernière que ça en réalité. Hein. En gros, voilà, c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans la vraie vie. Donc du coup, ben forcément, vu que le jeu se veut réaliste, c'est obligé de l'utiliser dans la vraie vie. Moi, j'avoue que dans Farming Simulator, pour le coup, ben sauf si tu veux te la jouer RP, t'es là pour jouer. Mais c'est vrai que là, on est au tout début, hein. On oublie rapidement que quand on va avoir 50 000 champs, des champs immenses et tout à faire, ça va commencer à prendre des employés de temps en temps. Enfin, nous, notre but, c'est de pas prendre d'employés et de, si on veut des employés, sur le serveur, recruter des viewers. Donc en fait, vous allez venir avec nous en direct. On dira, ouais, Goffland, tu t'occupes du champ 34, tu fais la récolte. Toi, tu fais ça. Et on prendra comme ça, on vous mettra un Discord. On a le Discord, les gars. Traînez sur Discord déjà si vous voulez le faire. Mon impression sur le jeu, franchement, je vois un bel up graphique. J'ai confiance. Mon impression sur le jeu pour l'instant, c'est que j'ai confiance. En termes d'environnement, c'est très beau. Il y a des mécaniques qui étaient à l'époque des mods, comme pouvoir monter à deux dans un véhicule et tout, qui sont intégrés. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que les joueurs ont rajoutées au jeu de base, aux précédents qui ont été ajoutés dans le jeu. Et j'ai confiance, comme je vous dis, j'ai confiance avec Farming. Je sais qu'il sera mieux que le précédent. Donc je me pose même pas la question de c'est bien, c'est pas bien. C'est un Farming Simulator pour moi, c'est cool de base. Il va falloir préparer ses champs, les gars. Ben du coup, ceux sur lesquels on a récolté là. Le riz, il faut le planter en avril. Ok, donc là on va pouvoir labourer les champs où on a fait le riz et planter autre chose, non? Non, parce que les champs de riz, je pense que c'est des rizières en fait. C'est pas pareil, c'est pas des champs. Je suis pas dans le bon endroit là. À l'opposé. Wouah! Non, c'est normal. Tracteur, ça grimpe aux arbres, les gars. Attends, mais tu me vois en direct, d'ailleurs, c'est trop bien. Oui. Ah ouais. Oui, c'est trop bien. Élevage de vaches, élevage de chevaux, élevage de cochons, élevage de moutons, élevage de poules, élevage d'abeilles et autres. C'est un chien. Oui, parce qu'il y a les bébés maintenant. Il y avait pas ça avant, ouais, je crois. Et t'as les buffles aussi, t'as les limousines, t'as les nouveaux trucs. Les buffles, ça y était pas. Ok, donc dans la catégorie vache, en fait, vous avez vraiment. Je sais pas comment il appelle, la branche brun-noir, quoi. Vous avez la vache laitière Milka, tu vois. Et pareil, hein, 0 mois, 6 mois, 18 mois à chaque fois. Vous avez le taureau de Camargue? Pas du tout. C'est l'Angus. L'Angus, la limousine et le buffle. Buffle des marais asiatiques. Les cochons? Pareil, il y a deux types de cochons, trois races de cochons différents. Puis il y a les chèvres et moutons, avec leur spécicité à chaque fois, le mouton des Alpes et tout. Oh, il y en a beaucoup quand même là, c'est pas mal ça. Le brun noir du Jura, montagne noire gallois, trop stylé. Et la chèvre de Monsieur Seguin. Ensuite, les chevaux, pareil. Oh, ben là, en fait, c'est toutes les couleurs, hein, donc du coup, gris, pie, etc. C'est pas vraiment des races, mais c'est, voilà. Donc l'élevage de chevaux et les poules, quand même, il y a le coq et la poule, petite et grande. Avant, il n'y avait pas les petits. Hein. Ouais, les bébés, c'est nouveau. C'est stylé de ouf, ça. On est en août. Semé en vert en août. On peut encore planter du colza, mais il faut le faire avant la fin du mois. Et sinon, on attend septembre. Et en septembre, on peut planter du blé, de l'orge,
c'est tout. Mais go planter du colza, par contre, il va nous falloir louer le matos. Pour commencer là, tu peux prendre celle à 49 005. Ouais, la Great Plains. Ouais, et il faut un sandwich beau de puissance. Ok, donc on fait ça. Et vas-y, on le tracteur, fait... tu le réserves, ok, 110. Espace loué, vas-y, vas-y. Loué pour 2005. Les gars, j'ai l'impression qu'on fait pas de bénéfices, c'est trop bien fait le jeu. Je mets au milieu du champ là. Ouais, s'il te plaît. Voilà, comme ça, t'as juste à mettre ta queue dans mon truc là. Wouah, stop, perfect. Il nous a fait une belle scène. J'ai loué comme tu m'as dit et après j'ai fait accepter le contrat. Oui, mais t'as fait bois mort aussi. Bah non. Et c'est la première prise de tête dans l'exploitation. Romain accepte toutes les missions sans se poser de questions. Flaco, aussi appelé Mao, bah, le chef d'exploitation, le reprend donc. Mao. Non, Mao, qu'est-ce que tu m'as fait, quoi? Tu m'as dit quoi? Je te donnais tous les deux trucs. Oh, j'ai l'impression que je ressens beaucoup plus. Avec le tracteur, je ressens les rainures de la charrue. Enfin, du labourage. C'est nouveau ça, les gars. Quand on est en tracteur, dans le champ qui a été fraîchement labouré, on ressent les ornières. Non, c'est stylé. Je vais vous montrer que avec les pneus du tracteur, je déforme le terrain. C'est vraiment stylé la déformation du terrain, les gars. Je vous jure que je ressens les ornières, elles me tirent un peu sur les côtés et tout. Du coup, avec le volant, ça peut être stylé avec le retour de force et tout. Bah ouais, j'ai fini ces semées, hein. Bah du coup, on va rendre tout, mais pas ça le vider. Ouais, j'ai pas semé à l'arrache, les gars. Regardez comme c'est beau. Regardez le grain, là. Vous voyez là, comme c'est régulier. Ça, c'est beau, ça. Si t'as pas 20 ou 30 heures de jeu, tu peux pas semer comme ça. Non, mais apparemment, c'est un bâtiment à ruches. Ah, tu dois placer tes ruches, tu crois? Ouais, mais y a déjà, à côté du colza, y a déjà une ruche. Oh, non, il faut le contrepoids. C'est pas grave, là, mais parce que quand je roule vite sur la route, là, ça va pas du tout. Les gars, je fais des ballons de paille, je suis trop content. Ah ouais. Oh, le bâtard. Waouh, oh, je me fais dépasser, par contre, par... Là oui, marqué 63. Wow, j'ai dételé. Sur 1, pas sur A. Ouais, j'ai pas fait exprès. Mais moi, pareil, là, je le fais à l'œil, il faut que j'active le filtre, non? Voilà, toi, moi, je... Mais si, tu vas le voir, c'est un peu plus noir, normalement, là où t'es passé. Ouais. Wesh, les gars. Mais on aurait dû prendre le petit. En deux passages, c'est... Y'a l'engrais, c'est bon. Bah, ça y est, hein. Il y a l'engrais dans tout le champ. C'est réglé. Donc là, c'est pas le bon moment pour vendre notre récolte de riz. On a une première récolte de riz, les gars, elle est là, dans le camion. On n'a pas beaucoup, beaucoup, hein. 5369 litres de riz. Et apparemment, le mois prochain, le prix va être plus intéressant pour la revente. Donc on va temporiser un peu. Vu qu'on n'a pas d'argent, comme vous voyez, on a 42 000. Il va falloir qu'on temporise ça. Ici, là, on produit des pousses pour le riz. D'ailleurs, les champignons, ça en est où, là? Je vais voir, je vais voir. Il n'y a rien qui a été produit. Mais c'est normal, on n'a même pas passé une journée, les gars. Il y a de l'eau, donc il n'y a aucune apparence physique particulière. Je vais aller voir vite fait la ruche, du coup. Je suis un agriculteur. Ok. Et là, on a la première ruche. Et non, il y a un chat qui a disparu. Il y a une reward si on le trouve. Je suis sûr que c'est un easter egg. Mec, je suis sûr que c'est un easter egg. Si on trouve le chat qui a disparu, je suis sûr qu'on gagne de l'argent. Un chat noir. Si vous voyez un chat noir, arrêtez-vous. Hein. Non, c'est stylé en vrai. Ils ont fait un petit effort, tu vois, pour que les environnements soient un peu plus vivants, un peu plus réalistes. Franchement, c'est très très beau. Donc là, les gars, on fait... En gros, on enlève les mauvaises herbes. Ok. Ce qu'il y a derrière, là... Vous voyez, ça passe entre les... Entre les rangées de culture et ça vient arracher en fait tout ce qui pousse entre les lignes, quoi. Bah là on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait du coup. Je perds le contrôle. Wesh. Oh, on a échappé belle. Wesh, mais vas-y, c'est quoi cette physique? C'est quoi cette physique? On est couché. Mon gars, conduire comme ça à cette vitesse dans la brume. Mauvais délire. Vas-y, ben prends-la à l'arrière de la moto. Mais hein, mais non, on va pas aller vendre 3 pots. Il y a 8 pots de miel, les gars. Véhicule de zinzin, là, les gars. Aligné sur l'arbre, c'est déjà fait. Oh. Huche. Faire tomber l'arbre. X. Ok. Oh merde. Non, vous avez abattu le mauvais arbre. Oh merde. Non, merde. Putain, le con. Attention. Ah. Bah vas-y, je coupe, hein. C'est pas grave, hein. Ah, c'est bien fait, hein.
C'est bien fait, c'est bien fait. Ok. Timber! Oh, t'es marrant, t'es marrant, t'es marrant. Nice. Aïe, aïe, aïe. Ah, on a perdu, mais j'en ai ramené. Aïe, aïe, aïe. Alors, les amateurs, on est venu voir travailler les professionnels. Wesh, mais j'avais pas vu que j'avais une monoroue immense derrière. Mais non. Théma, je suis sur le capot. Théma. Là, il s'est fait un peu plus redrift d'ailleurs. Théma, ça dégueule par dessous. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous voyez, on a une fonctionnalité qui permet de target des lignes de culture comme ça. Et du coup, de positionner en automatique le véhicule pour qu'il tienne sa ligne. Et ce qui donne une récolte propre, vous voyez. Et là, si je veux, je suis en mode thruster automatique, quoi. Genre, il y a l'accélérateur automatique. Et moi, hop, les subventions. Non, je rigole, il n'y a pas de subvention pour ça, mais vous avez compris, quoi. Là, je me vois déjà lancer un live matinal. On laboure les champs.